En ski alpinisme, le sprint, c'est une épreuve vraiment particulière. C'est la plus courte de toutes les épreuves. Alors évidemment, c'est vrai que pour les coureurs, c'est quelque chose d'un petit peu particulier. Hein. Ils sont habitués à faire des efforts proches du marathon, du semi-marathon, du marathon. Et là, on leur propose quelque chose qui serait un 800 mètres. Et donc, c'est vraiment plus court. Mais ça reste très technique et surtout ben, ça permet d'être très visuel puisque c'est dans un espace qui est très concentré. Un parcours de sprint est toujours construit selon le même schéma. Il y a une première partie assez plane où on peut s'élancer. Ensuite il y a une section avec des conversions enfin, ou des virages très serrés hein, autour d'une section en losange, c'est assez visuel. S'ensuit un portage, hein, donc il faut enlever les skis, les mettre sur le sac à dos, partir à pied et puis remettre les skis. Il y a une nouvelle section avec les pots de phoque sous les skis avant de dépoter, c'est-à-dire d'enlever les pots et d'effectuer la descente qui peut être avec des obstacles ou des portes un petit peu type slalom géant snowboard, quoi. Voilà, avant de franchir la ligne d'arrivée qui se fait en général avec une ligne droite et un petit peu de skating. Un peu délicat à gérer, mais dans les parties conversion, il y a moyen de reprendre un peu sa place sans trop se gêner. S'appliquer sur les manips, pas faire d'erreur, de mise de ski sur le sac, de repartir vite sur le passage à pied. Le passage à pied est souvent un point où on peut accélérer, il y a de la place, on ne gêne pas trop. Sur la remise des skis, c'est aussi un point assez important à gérer parce que
si on loupe un peu leur chaussage là, derrière on s'approche du sommet et perdre du temps ici c'est tout le temps assez délicat parce qu'on commence à avoir les jambes un peu dures. Et quand il faut finir fort pour arriver en haut devant, et ben, si on perd quelques secondes sur cette manip là, c'est. Et du coup ça s'est bien passé, j'ai bien pu rechausser. Je suis reparti juste derrière Alexis qui était parti sans mettre ses dragons. Du coup j'ai pu un peu souffler un coup derrière lui quand il mettait les dragons. Et quand il y a eu la partie un peu plus raide avant la traversée du sommet, j'ai doublé sur cette portion là et j'ai pu prendre un peu d'avance pour entamer la descente devant. J'ai été un petit peu surprise du départ, ça a été lancé très vite, à peine on s'est mis sur la ligne, paf, on a entendu c'est parti, donc c'est parti très vite. Et puis Adèle a fait un départ très rapide, très très rapide, elle était devant, elle était bien devant, devant tout le monde en fait. Et Valentine Fabre qui est quand même très très rapide sur le départ, elle était aussi un peu derrière Adèle. Donc Adèle qui menait le groupe devant, moi il a fallu que... Comme d'habitude, le départ, le lancement, c'est vraiment pas le moment où je suis la plus forte. Donc je sais que c'est là qu'il faut serrer les dents, qu'il faut rien lâcher. On a attaqué la partie dans les conversions. Je pense que c'était... Il y a Léna Bonnel qui a pris à gauche. Nous, on est parti sur la droite. Adèle a pris à droite. Donc moi, je suis partie à droite derrière Adèle. Ça a bouché un peu, en fait, comme on dit. J'étais obligée d'attendre un peu entre guillemets, on s'arrête pas, hein, mais je sentais que voilà, j'étais obligée de... Je subissais un petit peu le fait d'être derrière, mais bon, c'est le jeu, c'est comme ça. Je me suis arrivée sur la plateforme, donc au moment où on met les skis sur le sac, sur la droite d'Adèle, j'ai essayé de faire un changement rapide, ça s'est bien passé, j'ai fait un beau changement, donc on repart avec Adèle plus ou moins ensemble, toutes les deux. Et puis là, on était en parallèle toutes les deux à se tirer la bourre, et Adèle, elle a vraiment bien tenu, parce que première année espoir, c'est ouais, très, très, très belle course. Donc on était toutes les deux en parallèle à se tirer la bourre, et du coup, j'ai senti petit à petit sur la deuxième partie de la partie à pied que quand même elle craquait un petit peu, et que moi j'arrivais à prendre un petit peu d'avance. Je suis arrivée sur la plateforme, je pense vraiment, ça se joue à même pas. Enfin, c'est des secondes, une seconde même pas, hein, c'est vraiment assez serré, mais voilà, je suis arrivée un poil avant elle sur la plateforme en haut, du coup j'ai fait une manip beaucoup plus rapide qu'elle et j'ai pu partir, j'ai pu remettre les skis beaucoup plus vite et partir avant elle. Donc là j'ai senti que j'avais un petit peu d'avance. Donc là je me suis arrêtée, j'ai fait un dépotage, c'est arrivé tout de suite derrière, hein, tout de suite derrière, ça s'est posé un peu de tous les côtés. Je regardais mes bâtons en me disant tout ça, on a toujours un peu peur que les bâtons ils partent ou... Et puis voilà, j'ai vite remis les pots dans la combi, je suis repartie à la descente et là j'ai senti que là c'était bon parce qu'après généralement il n'y avait que le dernier virage où il fallait faire attention si vraiment ça se jouait serré, mais là il y avait quand même un petit espace donc c'était bon et voilà, j'ai fini tranquille. Je suis contente de ma course, ça a bien passé.